Les défis futurs pour les IPS, en fait, le plus facile, c'était d'annoncer des postes. Donc, pour l'avenir, ça va être d'être capable de former ces infirmières-là, de former selon la philosophie des soins qu'on veut leur attribuer. Donc, on veut vraiment des infirmières de pratique avancée dans les différentes spécialités. On veut aussi être capable de leur offrir des conditions de travail décentes pour pouvoir les attirer, parce que la question de la pénurie nous inquiète beaucoup, surtout en surspécialité. Et puis, dans l'avenir, d'être capable d'assurer la relève de ces infirmières-là, autant dans l'enseignement qu'aux soins directs aux patients. Je pense que le principal défi aussi au sein de toutes les différentes instances, c'est de s'assurer qu'on a une belle représentativité des infirmières praticiennes au niveau des différentes instances. Donc, que l'association, le regroupement des infirmières praticiennes soit vraiment pris en compte dans les décisions critiques qui les concernent.